T'en as oublié de faire autre chose pour pouvoir se venir. Le plus grand problème, c'est que on n'a pas assez de terres cultivables. Y a problème de santé, on vient dispenser école, trois classes. Quand les enfants font les premières trois classes là, il faut laisser le village pour aller en ville. De nos jours, il est très important pour un enfant d'être instruit. Il faut sincèrement, il faut que les enfants soient instruits. Young people are not ignorant. Young people know and are beginning to know a lot more what is out there, what their options are, what their limitations are, and how they can maneuver the space globally because it's becoming a much smaller world. Quand les enfants se lèvent maintenant parce qu'ils voient que ceux qui ont apprêté, on souffre. Donc les enfants refusent de cultiver la terre. Personne ne veut travailler à la terre parce que ça ne va pas. Actuellement, quand tu es au village, tu travailles sur le cacao. De un, tu ne vas pas bien manger. De deux, il n'y a pas de bonne santé. De trois, tu ne vas pas bien t'habiller. Même l'habitation, même quand vous voyez le village, il n'y a pas de bonne habitation. Parce qu'il n'y a rien. Personne ne veut venir à la terre encore. Donc j'aimerais que vraiment l'État voie ça bien. And the young people are refusing to farm. And part of the reason they're refusing to farm is because they don't see the point of farming because they don't see the monetary value of it. Je souhaiterais que mes enfants soient des médecins, des grands ingénieurs pour développer la Côte d'Ivoire. C'est un métier que j'aime plus qu'avec cacao, mais vraiment, c'est pas facile. C'est très dur. So we need to address that issue if we want to continue to be able to produce cocoa and continue to be able to eat chocolate that we all love, you know.